Salut, c'est Enty et Hunster. Salut, c'est Hunster et Enty. Voilà, on se retrouve pour le quatrième vlog de Polymanga. On va aujourd'hui faire pas mal de trucs. Notamment, moi j'ai l'interview de Masuda qui risque d'être bien. Alors, je sais pas si ce sera dans la vidéo vlog ou si ce sera une vidéo à part. Quoi qu'il arrive, vous aurez un lien dans tous les cas. Bref, j'espère que ce sera cool et qu'il fera un peu moins chaud qu'hier au niveau des dédicaces. Parce que ah oui, d'accord, vraiment... pas dans la ville, parce que dans la ville, Non, au niveau de. Au niveau de la température... De la température humaine. Ils ont bien un cercle humain de gens qui te réchauffent. Et de transpiration aussi un petit peu. Bref, allez, on y va. Bon, comme à notre habitude, on va voir s'ils sont chauds. On va voir ce matin comment c'est. Est-ce que c'est pire qu'hier? C'était hier le pire, non? Vendredi, c'est pas... On va voir, s'ils sont meilleurs. Là, ils ont l'air médiocres. Ils ont l'air médiocres, on va voir. Ouais. C'est ce que je disais. C'est dégueulasse. On les signera mal, genre on écrira mal pour eux. Abonnez-vous et achetez des posters. 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 Abonnez-vous. Ah, abonnez-vous. Il y a Enty, il fait des bêtises avec des bouteilles d'eau, il est sûr qu'il peut refaire ce qu'il vient de me faire. Enty, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire taper sur le mur et ça va faire un water bottle flip challenge, ça va tomber comme ça. Ok, on va voir ça. Fini pour cette première séance de dédicace, c'était sympa. Hunter, t'as bien aimé? Qui? La séance de dédicace. Très sympa. Très sympa. Il y avait moins de monde, c'était vraiment... Les gens étaient organisés. Ouais, les gens étaient vraiment sympas. Il n'y avait pas de monde autour, on n'avait pas trop chaud, c'était cool. Super, vraiment les gens du dimanche, les meilleurs. Vous êtes des dimanchois exceptionnels. Des dimanchois, mais vraiment... Génial. Allez, maintenant on va aller en tea time, de manière à boire du thé. Peut-être qu'il y aura du thé à l'heure. Peut-être qu'il y aura du thé à l'heure. On va se débrouiller pour qu'il y ait du thé à l'heure. On verra si Frigiel s'en sort. Voilà. Mais je sais pas si on leur avait dit qu'il... Non, on leur a pas du tout dit non, Il a la voix de Frigiel. Il a la voix de Frigiel. C'est gênant. Bonjour YouTube. Redis le mais c'est gênant. C'est gênant. Oh, ouais, le c'est gênant, c'est gênant. En fait, ils disent que j'ai la voix de Frigiel et... Fermez les yeux, fermez les yeux. Je sais pas, peut-être. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je suis Frigiel ». Vas-y, redis c'est gênant. C'est gênant. C'est tellement lui. Bon, avant le tea time, je vais aller faire un petit tour dans la convention parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait. Et du coup, je vais aller voir si je trouve un petit cadeau à ramener à Dallas quand il sera, quand je serai aux US. Coucou. Ça a l'air de t'attendre. Bon, t'as un tea time, Enty. Tu m'as dit 45, il est 40. On mange à quelle heure? Quoi? On mange à quelle heure? On mange après le tea time. Génial. Donc vers 13h15. 30. 30. Ou 13h15, on a demandé la bouffe à 13h. Salut. Team. Mais il t'a déjà dit la même chose dans le vlog d'hier. Ah oui, c'est vrai. Et on... Tu sais, on l'a bipé au montage. Ah oui, c'est vrai, on a bipé au montage. Ouais. Ouais. Bah parce qu'on sait pas ce que ça veut dire. On est en train de manger, on a soon l'interview de Masuda avec David, donc ça va être cool. C'est d'ici une heure, on va pouvoir interviewer le grand Junichi Masuda. Et ça va être vraiment sympa. Allez, c'est parti, moi je mange ça. Voilà, c'est du riz et de la viande hachée. Je suis rentré à l'hôtel pour faire un petit peu de montage, les amis, pour monter le premier vlog, en fait, que vous avez dû voir lundi. Et je me rends compte, en fait, que le son est pas mal saturé. Parce que, en fait, j'avais activé une fonction sur ma caméra, qui est l'atténuateur de saturation, en fait. Et le problème, c'est que, je sais pas pourquoi, mais cette fonction s'est réinitialisée, elle était en désactivée. Et donc, du coup, vous avez dû avoir pas mal de saturation, et j'en suis vraiment désolé. À partir de maintenant, ça devrait aller, mais j'espère que ça aura été potable tout au long de la semaine. Voilà, vraiment désolé. あの、作ってる時はどちらかというと自分の場合はこう、なんていうのかな。自分自身に普通に楽しんで遊ぶっていうよりも開発の目線で何が足りなくてどうすればもっと面白くなるかっていう見方をしたり、あと、
Bon, on a fini l'interview, c'était super cool. Je sais pas du tout si vous aurez eu l'interview dans cette même vidéo ou si c'est une vidéo eh bien, à part. Dans tous les cas, allez la voir. Parce que c'était vraiment très très cool et là on va aller en dédicace. Deuxième séance de dédicace du jour et on va voir s'ils sont chauds. Normalement là je les sens beaucoup plus chauds que ce matin. On espère. Ouais. Ton avis? Satisfaisant. Salut. Waouh, c'est une épée d'Ophus. T'as vu ça? Ah, bah, elle est où la mienne? Il a perdu la sienne. On a acheté un jeu, on n'a pas acheté d'Ophus. T'as fait Star Wars ou pas? T'as fait Star Wars ou pas? J'ai fait le Star Wars. Il y a encore une initiation de Star Wars ou toi? Ah non mais il y a toujours ça hein. Ouais mais nous, ça tout le temps. Moi ouais, ça me fait peur, je vais me faire couper par un sable laser, moi j'ai peur. Waouh! Génial! Et voilà, je suis avec Oupa. C'est Oupa, hein, c'est ça? Ouais. Eh ben voilà. Eh ben super. Eh super bien fait. C'est toi qui as fait le cosplay? Entièrement. Mais non! Mais il est génial, t'as fait le concours? T'as pas... Bah t'aurais pu gagner hein. Ah d'accord, ok. Mais en tout cas, super génial hein. Vraiment, bravo. Allez, salut. Séance de dédicace terminée. Voilà, c'était cool, il n'y a plus personne. Donc je vais pas vous demander comment ils sont chauds, parce que regardez, il n'y a vraiment personne. Voilà. Ouais. Vraiment pourri. Pas satisfaisant. Et donc du coup, eh bien, on va nous probablement aller se faire une petite bouffe toute sympa, peut-être un petit McDo. Et puis ensuite, on va aller au casino. Et oui, parce que c'est la tradition, nous, quand on vient à Montreux en Suisse, et c'est la tradition, mais ça fait un an en fait, donc c'est pas une tradition. Eh bien, on va au casino, voilà, pour dépenser l'argent des abonnés. On est en direction d'un resto qui fait des raclettes, ah ouais, où on a mangé l'année dernière et qui était super cool, raclette et fondue. Et juste après, on se dirigera au casino pour une petite soirée un petit peu sympathique. Alors moi, je vais pas jouer beaucoup, hein. Je vais jouer 50 francs au maximum, peut-être 100. Mais vraiment pas, je vais pas partir dans des folies et jouer des milliers de sous. 1000 sur le rouge. 1000 sur le rouge, ouais non, jamais ça, jamais. Non, moi je joue aux machines à sous, parce que j'aime bien, parce que tu perds petit à petit ton argent et pas d'un coup. Et c'est plus marrant. On est arrivé à notre table raclette. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, on vient de terminer la raclette et j'ai oublié de vous filmer. Du coup, bah, je vous filme les épluchures des pommes de terre. Parce que oui, je fais partie de cette team qui épluche les pommes de terre pour la raclette. Je sais que c'est plein de vitamines, ce qu'a dit Farfadet. Il y a plein de vitamines là-dedans. Plein de vitamines, ouais, plein de vitamines, ouais. Et puis, il y a plein de terre et plein de choses, oui. Bon, comme vous le voyez juste derrière moi, on sort du casino, voilà. Eh bien écoutez, on a tous terminé plus ou moins en positif. Voilà, il se trouve que moi j'ai doublé la somme que j'avais mis à la base. C'est pas une grosse somme, hein. j'avais mis 100 francs, voilà, pour vous dire. Même si au début je suis quand même descendu. Et puis que la roulette à la fin m'a bien sauvé. Roulette qui est un jeu que normalement je n'apprécie pas. En tout cas c'était cool, c'était un super vlog. Normalement moi j'ai un peu de montage quand je rentre, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais voir si j'ai le temps de le faire, parce qu'il est quand même 3h du matin et on a des dédicaces à 9h30. Donc un peu compliqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez kiffé. Et puis j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. À demain, et bye tout le monde.